Bonjour, aujourd'hui on va vous démontrer comment faire un électrocardiogramme en 12 dérivations. La première étape, c'est d'installer les électrodes des membres. Pour arriver à un bon ECG, c'est important d'enlever tous les poils de la surface où on va appliquer les électrodes, y compris au niveau des membres. Lorsqu'on rase, c'est important de se donner une grande surface pour pouvoir appliquer l'électrode. Pour enlever les poils de surplus, on peut utiliser un 4x4 ou un rouleau de gaz tout simplement. Ça évite de faire des artefacts. Les fils sont identifiés aux membres qu'on doit les placer, comme RL pour right leg, donc jambe droite. Lors de l'application, c'est important de ne pas appuyer sur le bout pour ne pas écraser la gelée, sinon ça fait de l'artefact. L'application se fait au niveau de l'extrémité à la jonction du mollet, juste au-dessus de l'articulation de la cheville. Ça évite l'artefact. Si on en met sur la cheville, puisqu'on est en préhospitalier et que souvent les patients sont assis, bien, si on veut éviter de la tension, il faut la mettre juste un petit peu plus haute. Pour l'application sur le bras, on le met juste au-dessus du poignet, donc sur l'avant-bras. Encore une fois, au niveau de l'extrémité, pour avoir un bon ECG. On vient de terminer l'installation des électrodes des membres. On a un bon rythme jusqu'à date à l'écran sans artefact. J'ai utilisé un rasoir chirurgical pour raser les quatre membres pour avoir une bonne lecture. Mon patient avait beaucoup de poils, donc on change de rasoir parce qu'il rasait plus ou moins. Au même titre que les électrodes des membres, on va devoir venir raser au niveau de la poitrine où on va installer les électrodes précordiales.
Au même titre qu'on l'a fait tout à l'heure, on va devoir se tracer une large bande pour pouvoir venir appliquer l'électrode comme il faut. On vient de terminer le rasage. On nettoie avec la gaze. S'il y a trop de poils, on peut utiliser une gaze humide ou une serviette humide, puis par la suite, on nettoie avec la gaze sèche. On vient trouver notre point de repère pour V1. Au même titre que les électrodes des membres, c'est clairement identifié sur les fils précordiaux. Je trouve mon angle de Louis. Vis-à-vis l'angle de Louis, la petite protubérance, c'est la côte 2. Je vais trouver mon espace intercostal. 2, 3, 4. Je place V1 au quatrième espace intercostal, parasternal droit. Je vais faire maintenant V2, même endroit que V1, mais parasternal gauche, donc quatrième espace intercostal. Par la suite, je fais l'installation de V4, parce que je vais avoir besoin de V4 pour installer V3 entre V2 et V4. Pour installer V4, je prends ma clavicule, donc pointe de la clavicule jusqu'au bout, mid claviculaire, cinquième espace intercostal. Donc j'étais à la quatrième ici, 3, 4. Espace intercostal. En fonction de l'anatomie du patient, et si c'est du sexe féminin, je vais placer sous le sein mon V4, et là je place V3 entre V4 et V2. Par la suite, je fais l'installation de V5, qui va être à la hauteur de V4, donc cinquième espace intercostal. Et je vais utiliser la ligne axillaire antérieure. Enfin, j'ai placé V6 à la hauteur de V5, donc cinquième espace intercostal, mais cette fois-ci, la ligne axillaire-mid-axillaire. Par la suite, je prends soin de venir brancher mon câblage des électrodes précordiales au fil maître, qui est le joint aux électrodes des membres. Et je le fixe au patient pour pas qu'il tombe. Maintenant qu'on a terminé de placer les électrodes précordiales, les électrodes des membres, on se prépare à saisir notre ECG. Il faut absolument que le patient se détende et respire lentement. La position idéale pour faire un ECG, c'est couché.
comme mon patient est assis et que je ne peux pas le coucher initialement, bien, je vais essayer de favoriser une position qui est confortable pour lui afin qu'on ne capte pas d'artefacts pendant le CG. Monsieur, je vais vous demander de vous avancer les fesses juste un petit peu pour que vous puissiez vous étendre. Parfait. Excellent. On va prendre les mains, on va les mettre molles, vous allez les mettre sur vous comme ça. Avant la saisie de l'ECG, je m'assure qu'il n'y a pas de tension sur les fils. Parfait. Excellent. Monsieur, vous allez prendre vos pieds, vous allez les mettre à plat au sol. Parfait. Donc, je vérifie s'il n'y a pas de tension sur mes fils. Vous allez accoter votre tête, s'il vous plaît. Vous allez prendre des respirations lentement et vous détendre le plus possible. Par la suite, après avoir bien positionné le patient, lorsqu'on est rendu à l'étape de la saisie de l'ECG, on s'assure que la ligne isoélectrique que je vois à l'écran est bien stable, qu'elle est libre de tout mouvement et d'artefact, qui est la traduction de l'ECG capté au niveau des membres, puisque c'est l'endroit où on retrouve le plus d'artefacts. Par la suite, j'entre les informations à l'intérieur du MDSA. J'appuie sur « Dose dérive », « Info patient », je vais entrer l'âge. Mon patient est âgé de 43 ans. Je rentre l'âge à l'aide des curseurs et des marqueurs. Je m'assure que le sexe est adéquat. Au besoin, je l'ajuste. Par la suite, j'appuie sur la touche « Retour ». Maintenant, mon moniteur est calibré pour saisir le CG. Monsieur, je vous rappelle, il ne faut pas bouger du tout, du tout. Vous respirez lentement. Vous vous détendez. Vous gardez les pieds à plat. Et là, je surveille la ligne isoélectrique. Et lorsque mon ECG est vraiment beau à l'écran, j'appuie sur « Saisie ». Tout en sortant de CG, je continue d'assurer la surveillance clinique de mon patient. Quand la saisie est terminée, je m'assure premièrement de la qualité de l'ECG. Et s'il est de bonne qualité, donc sans artefact, sans mouvement de la ligne isoélectrique, je viens vérifier le message informatique. En présence d'un message informatique d'infarctus aigu ou d'un message adopté par les services préhospitaliers d'urgence étant l'équivalent à un syndrome coronarien aigu, il faut installer les électrodes de défibrillation au patient.
Pour ce faire, je vais devoir enlever certaines électrodes de monitoring en 12 dérivations. Donc le V1, le V6, le V5 et le V2 au besoin. Je commence par l'installation de l'applicateur d'ACR. Donc je trouve l'appendice xiphoïde et je vais venir l'appliquer juste au-dessus. Par la suite, je vais venir installer l'électrode précordiale. Sur le côté, vous la tête. Et évidemment, il ne faut pas oublier de brancher le câble au câble de défibrillation.